Donc, je m'appelle Xavier Hamel, je suis montrougien depuis toujours, depuis 55 ans en fait. Je travaille dans la même commune également depuis 35 ans et je viens aujourd'hui vous présenter mon nouveau projet de budget participatif pour la ville de Montrouge. Cette année, je viens avec un projet pour lutter un peu, essayer de lutter contre les gestes d'incivilité et notamment, je viens parler des mégots. Alors, mon idée, c'est des cendriers qu'on a appelés cendriers d'opinion, cendriers de vote. C'est des cendriers qui sont très ludiques, très sympathiques, colorés, avec des belles formes, modernes. Et avec, c'est juste partagé, il y a deux colonnes, avec des petites questions sympathiques. Êtes-vous thé ou café? Vous êtes plutôt chien ou chat? Pain au chocolat ou chocolatine? Et voilà, donc les gens peuvent écraser leur mégot et puis voter dans une colonne ou l'autre. Donc ça a ce côté ludique et puis ça évite de retrouver les mégots par terre. Et je pense qu'après, ça va devenir un réflexe. Si les gens, au début, font ce geste par amusement, comme ça, vont après, par réflexe, essayer effectivement de trouver à chaque fois un cendrier. Bah, écoutez, je vais juste vous dire que voilà, c'est une manière de lutter contre l'incivilité, comme je le disais tout à l'heure, contre les mégots. C'est un côté sympathique, ludique. Et effectivement, je pense que les gens vont participer au projet pour le côté ludique. Hein. Je vais revenir sur les questions chien ou chat. Voilà, on a vu des photos où il y a quelques mois, c'était les Bleus seront-ils en finale, oui ou non. Il y a le petit côté Paris, le petit côté jeu. Et je pense que ça peut apporter beaucoup effectivement au Montrougien.